longtemps comme ça, je vais pouvoir finir plus vite à mes vacances. Insignifiant. Je te demanderai jamais de garder Simon, toi. Ah, kidnappeur! Vite, prenez l'enfant, je vais pas être en retard mon 5 à 7 au lounge. Ouais, c'est vrai que je suis pas comme ça, tu sais que je suis responsable, j'amènerai Simon avec moi au lounge. Veux-tu un café? Ouais, s'il te plaît, ouais. Du kérosène? Non, la térébenthine. T'as oublié la tradition de la dernière semaine de travail avant Noël? Le café cognac. Quelle tradition, on n'a jamais fait ça? Ouais, je sais, mais il paraît que les traditions se perdent, fait que j'ai décidé d'en partir des nouvelles, tiens. Ben, vite. Wouhou! T'as oublié de quoi dans ton café cognac? Quoi? Le café. Mais pour les traditions qui se perdent, donne-toi pas ce mal-là. J'ai décidé cette année de ramener la vraie tradition de Noël. Ah, quoi? Tu vas trouver un bébé dans une ferme, tu vas le réchauffer avec ton haleine de bulle? Mieux que ça. Non. Oui. Non. Oui. Tu vas repartir ton party de Noël? Oui, monsieur, le party de Noël. Oh, yes! Ah, ça a toujours été dans tes parties de Noël où il y avait les plus belles filles. T'es casé maintenant. Ouais, je sais. Mais tu sais, une fille, c'est comme un cadeau de Noël. Tu peux la retourner si tu l'aimes pas. Ouais, il y a ça aussi, mais c'est de s'imaginer ce qu'il y a en dessous de l'emballage. Ouais. Mais cette année, tu peux pas la déballer. Ouais. Fait que contrairement aux autres parties, à minuit, il va rester encore une coupe dans le corps emballé. Ouais, je sais, j'ai changé. C'est vrai qu'il y a des traditions qui se perdent. Mais Dorian, elle est d'accord pour que tu leur partes ton party de Noël? Parce que la dernière fois, ça... Ouais. Ah! La fois que le sapin a pris en feu. Non, parce que là, une autre fois. Ah oui! Quand j'avais été malade dans la veuve. Non! Ah! Quand les motards s'étaient invités. Ben, en fait, quand les motards avaient passé 2 semaines chez vous. Là. C'était pas couché avec une de leurs blondes aussi. Champagne et jus d'orange. Ah, tout ce qui va arriver aujourd'hui peut juste être bon. Penses-tu que François pourrait te quitter aujourd'hui? Ça va tellement être une belle journée là, que je pense même que je vais réussir à trouver le cadeau de Simon. Qu'est-ce qu'il veut? Le catapulte toutou que tu lances sur le mur, là, qui se met à rire. J'ai vu un reportage là-dessus. C'est super violent comme jouet. Ouais, mais c'est surtout le jouet le plus populaire. Mais là, Dorian, tu vas pas y acheter ça, là. C'est quelle sorte de message ça envoie à nos enfants? Plus tu lances le toutou fort dans le mur, plus il rit. Mais t'es pas obligé de le lancer sur le mur. Tu peux juste le frapper sa tête ou s'il rit autant. Ah, je suis rassurée. C'est bien mieux. En tout cas, moi, le jouet que j'ai acheté à Simon était pas en pénurie. Ah, laisse-moi deviner. Un jeu éducatif? C'est un jeu qui, à l'aide de figurines, nous apprend comment gérer les conflits de façon pacifique, tout en tenant compte des facteurs socioculturels et émotifs que vivent les enfants de 6 à 10 ans, et ce, dans un contexte d'altermondialisation. Je suis pas certaine que Simon va aimer ça. Tu sais, c'est un petit garçon qui aime bouger, hein? Tu penses que c'est mieux ton toutou qui est crampé parce qu'on le garoche en bas de la place Ville-Marie? Ben, ça va lui faire dépenser d'énergie, puis surtout, ça va lui faire plaisir. OK. T'as pas l'air de me croire, là, que c'est pas une bonne idée. Je vais te le prouver. Laisse faire ton magasinage, moi, je vais te le trouver, ton fesse-moi d'en face, toutou. Fait que là, pendant que je versais le punch dans la veuve, lui, il sort de la douche en permanence. Il dit où je m'en vais. C'est là, il fait, je vais aller chercher mon masque de goût, là. Non, mais ça a l'air vraiment spécial. Vous partez de Noël. Tu sais pas c'est quoi spécial tant que t'es pas venu à mon party de Noël. Ah, mais là, je pourrais peut-être pas y aller, hein. Je vais peut-être avoir autre chose. Hein? Autre chose. C'est quoi, tu peux avoir d'autres choses de plus important que mon party de Noël? Ben, je le sais pas, là. C'est Noël. Peut-être de la famille, genre. Les gens n'ont pas les priorités à bonne place. T'es invité au party de Noël de France. Ouais, monsieur s'en va dans sa famille. C'est quoi ça? C'est comme si t'avais des billets pour aller au Super Bowl puis t'allais au récital de ta petite nièce.
À moins que ta nièce soit Shakira. Ouais. Hey, hey! Salut, mes chanceux! On n'est pas chanceux, tu viens d'arriver. Oh! Frankie Fru! Hein? M'a fait attraction de ta remarque parce que c'est le temps des fêtes puis que j'ai des cadeaux pour tout le monde. Ah ouais? Wow, pas un bonus de fin d'année, toujours? Non, mieux que ça, mon cri-cri. Tiens, ça, c'est pour toi. Ah oui? Hein? Hey! Un cours de pilotage à l'école de Mario Andretti. Une fin de semaine complète à Indianapolis avec le légendaire Mario Andretti. Hey, le seul pilote à avoir gagné le Indy 500, le Daytona 500 et le championnat de Formule 1. Hey, Tony, vraiment, merci. Je veux dire, c'est vraiment Ben oui, c'est vraiment le plus beau cadeau de ma vie. Merci. Fais juste te rappeler de qui ça vient, cela, là. Parce que quand tu vas arriver à l'entrée, là, tu diras que tu viens à ma place, là, puis tout va être correct. Excellent. Allez! Hey, hey, hey. T'as une minute, là. Ta place, t'as rien à dire que tu nous donnes des cadeaux que t'as déjà reçus? Ben oui, t'as jamais fait ça. Y'a pas de mal là-dedans, là. Hey, des cadeaux qui valent cher, cela, c'est des clients qui m'ont payé en marchandises. Un safari d'une semaine au Malawi, c'est donc bien cool! Regarde comme faut, il doit avoir une colle. Ah ouais, la colle, c'est qu'il faut que tu partes dans deux jours parce que c'est une réserve qui va fermer au public le 1er janvier. Vous allez être les derniers à visiter, toi, pis Gaël. Ah, Gaël, elle va capoter, c'est en plein son genre, ça. Hey, mais là, tu penses pas y aller quand même, là? Ben, certain que je vais y aller. Mais en plus, dans ces tribus-là, les filles se promènent toujours en torse. Hey, excusez les gars, Sam, ça fait pas sexy l'expression fille en torse. Pis moi? Ah, oh, toi, tu dois être sexy en torse. Parle pas de ça. Hey, Alex, faut pas me faire ça, là. Bon, ben, gaga, calme-toi, là, gars. Ça, c'est pour toi. C'est le cadeau le plus cher. Ah ouais? Ouais. Pour yep, moi? Yep, yep, yep. Pour moi? Ben oui. Ouais. Hein? Ah ouais, où voulait? Hein? Dans le milieu. C'est quoi, ça? Un certificat cadeau de 10 000 $. Je vois bien ça, mais c'est pour un orthodontiste. Oh! Hey, un instant! Un orthodontiste spécialisé pour les enfants. Hey, si Simon y a une job de bouche à se faire, ça te coûtera pas une scène. On y en faire une job de bouche. Oh! 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 J'ai entendu. Mais ça ne dérange pas, François. Parce que mes dents, oui, ils sont finis diamants. Ah oui, si je voulais, là, je pourrais craquer un parcomètre. Hey, c'est pas correct. Tu donnes des cadeaux super cool à Christophe et Alex, puis moi, tu donnes un cadeau qu'il faut que je donne à quelqu'un d'autre. Hey. Juste pour ça, là, je t'invite pas à mon party. Oh, quel party? Quel party? Mon party de Noël. Quand ça? Ben, à Noël. Ah. Ça me dérange pas. Moi, m'en organiser un party, puis je vais m'inviter. Puis à mon party, il va y avoir un orchestre. Y avoir une contorsionniste du Cirque du Soleil tenue. Des magiciens. Ah oh, oui, ben oui, du caviar, des petits œufs de poisson, là. Puis du Dom Pérignon pour tout le monde. Chauvin! Ricky, tu viens-tu? Ah, oh, wow, c'est certain! Hey, mais là, t'es pas supposé venir à mon party, toi? Hey, non, je t'ai jamais dit oui, là. Tu vas. Mais non, mais François, moi, j'avais le choix. Ben, finis même pas ta phrase. De toute façon, tu seras l'un et l'autre, tu vas être au Malawi en train de danser avec des filles en torse. Pardon? Oui. J'ai décidé de refaire notre gros party de Noël comme dans le temps. Oui. Comme quand ça avait fini à l'hôpital, après qu'Alex et toi aviez descendu l'escalier en train de sauvage. On était pas juste en train de sauvage, on était en état d'ébriété. Mais là, ça fait longtemps qu'on a pas vu la gang, là. Ah oui, donc. Je te promets, là, de limiter les commotions cérébrales au minimum. OK. Puis ça va être le fun de revoir la gang. Mais t'invites ton monde du bureau? Ouais, sauf que Alex va être au Malawi. Au Malawi? Ouais, c'est un cadeau de Tony. Puis Christophe, lui, ben, il va être au party de Tony. Ah? Tony fait un party? Ouais, mais ce sera pas aussi gros que le nôtre. OK! C'est pour ça que tu veux faire un party. C'est pour écœurer Tony. Pas du tout. C'était mon idée en premier. C'est lui après qui s'est mis à dire « Moi aussi, m'en faire un party. Avec un orchestre, ça va être plus big que le vôtre. » Ouais, c'est ça. Ah, tu me crois pas, là? Mais oui, je te crois. Puis notre party va être le meilleur. Et que t'es belle quand tu penses comme moi. Ouais.
C'est ça, oui. Tony, nous a-t-il invité à son party? Si je dis oui, vas-tu y aller? Ben, ne serait-ce que pour y donner son cadeau, pour aller faire un tour. Mais oui, alors, quel cadeau? Tu n'as pas acheté de cadeau? Ben non. Depuis quand on a fait des cadeaux à son voisin? Ben, depuis que c'est ton boss. Sauf que Tony, il a tout, que si j'y achète. Ben, il doit bien avoir un petit quelque chose qu'il n'y a pas, là. Oui, 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 ça c'est vrai. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas, oui. Quoi? Du goût. Ça s'emballe bien mal, par exemple. Maudit que c'est bon du bébé doc, hein? Oh, oui. C'est juste de valeur que ça paraisse mal devant visite. Hey, qu'est-ce qu'on fait à Noël? Ah, t'as quoi de simple, là, hein? Un party. Oh, simple comme dans juste toi pis moi. Non, plus simple dans le style avec un orchestre. Non, pis une contorsionniste du Cirque du Soleil tout nu, là. Avec du caviar, du champagne pis des gros cadeaux. Oh, yeah! Oh, j'aimerais ça l'organiser. Ouais. OK, mais une condition, par exemple. Laquelle? Big. Oh, on aime donc ça, faire plaisir aux autres. Ah ben. C'est quoi? Attends, on n'est pas encore Noël. T'es bien impatiente. Ah, arrête-moi ça, je t'ai attendu des mois avant que tu te déniaises. Bon, OK. Je vais te dire, de toute façon, faut que tu te prépares. Pourquoi? Parce que on s'en va en vacances au soleil. Pas dans un Club Med tout compris, hein? Mais non, je sais que c'est pas ton genre, ça. Non, moi, mon genre, c'est plutôt expédition dans un pays exotique, genre safari photo. Hein? Oui, même que j'avais un rêve un peu fou d'aller dans une réserve au Malawi. Au Malawi? C'est un pays, ça, le Malawi? Je pensais que c'était une maladie, mais... C'est en Afrique. Mais j'irai jamais parce que la réserve ferme le 1er janvier. Il est trop tard. Oh. Puis pourquoi t'es pas allé avant? Ben, premièrement, ça coûte les yeux de la tête. Puis deuxièmement, mon épais de jaloux, de possessif, de cave, de chum dans le temps, il voulait pas que je parte en Afrique. Puis ça a réussi. Ouais. Ça veut dire que c'est possible de se faire ce qu'on veut. Essaie pour voir. Je me suis justement sortie de cette relation-là pour ça. OK, comment t'as fait ça? Ben, on devait se fiancer à Noël, puis j'ai décampé la veille. Aucune nouvelle, aucune adresse, rien. Et tu as essayé de te retrouver? Il m'a appelé des centaines de fois. Il a très mal pris notre séparation. Il s'en est jamais remis, puis je pense qu'il croit encore qu'on peut revenir ensemble. Méchant encore. Savais-tu, ma belle, que j'ai un don, moi? Oui, tu m'en as fait la démonstration pas plus tard qu'avant-hier soir, je pense. Non, je parlais pas de ce don-là. Là. Non, j'ai le don de deviner ce que les gens pensent, moi. Hein? Oui, comme là, présentement, là, tu penses que t'aimerais ça aller en safari au Malawi. Hey, avec moi. Gros don, hein, je viens de le dire. Mais hein, gros don. Regarde. Pourquoi d'abord j'ai les billets d'avion ici et le safari? On part dans 2 jours. Hein? J'ai le meilleur chum au monde. Oui. Ah oui? Ah, fait comme ça, est-ce que je vois, t'as l'air contente du cadeau que Tony vous a donné? Alors, c'est pas un cadeau que Tony nous a donné, c'est un cadeau qu'Alex m'a donné. Ah, fait qu'Alex t'amène pas Gaëlle avec toi dans le safari photo au Malawi que Tony t'a donné? Est-ce que ça veut dire que t'es en train de me refiler le cadeau que Tony t'a donné? Non, mais j'ai pas dit que j'avais acheté des billets, j'ai dit que j'avais déjà des billets. Ah. Oh, puis on s'en fout dans le fond depuis le temps que je rêve d'y aller. Salut, Dodo! Allô, Joanne! Oh, je te dis qu'il fait pas chaud! Oh, non, hein? Oh! C'est le fun que tu sois pas occupée, tu vas pouvoir m'aider!
c'est parce que je suis occupée, ma belle. Oh, j'aimerais ça que tu m'aides à faire cuire ma dinde. Ben là, je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps d'aller chez toi, Joanne. Oh, t'as pas besoin. Non, non, regarde, ta cuisine est déjà en bordel, là. Puis chez moi, j'ai la femme de ménage qui est en train de tout laver pour le party. Non, j'avais pensé la faire cuire chez vous. Tu veux faire cuire ta dinde ici? Ben ouais. Mais je sais pas, là. Moi, j'ai d'autres pâtés à faire cuire. Oh, 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 oublie tes pâtés, là. Je vais en commander 20 plus à mon traiteur, hein? Il va t'y livrer. Bon! Alors, ma dinde est là. Je pense qu'il faut juste la sacrer dans le four. Ben, paye-toi à traite. Le four est là. Oh, s'il te plaît, moi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas comment faire. OK. Déballe la dinde. Oui. Puis mets-la dans la rôtissoire. Tu veux que je touche à une dinde morte? Mais là, Joanne, t'as pas ça, tu fais venir un traiteur. Pourquoi tu veux faire cuire une dinde? Ben, parce que c'est pas un vrai party de Noël si on fait pas cuire la dinde. C'est ça, la tradition. Ben oui, mais je veux bien, là. Mais belle tradition, tu touches même pas à ta dinde. T'as fait même pas cuire toi-même ta dinde. Je te gage que c'est même pas toi qui l'as égorgée. Non! Joanne, c'est une joke. Il n'y a pas encore de tradition d'égorger une dinde. Ah, oh, OK. Quoique je pourrais en partir une drette, là. Oh! T'as pas besoin. Elle est déjà morte. Bon! Ben, je vais la mettre dans le rôtissoire, puis toi, mets-la dans le four. OK. OK? Oui. Tiens, tu sais comment te servir des mitaines à fourneau? Bon, pas de problème. Ah! Voyons, j'ai jamais su laquelle était la gauche puis laquelle était la droite. Joanne, des fois, je me demande comment est-ce que tu fais pour survivre toute une journée. Ah, oh, c'est Tony qui s'occupe de ces affaires-là. Mais oui, mais ça change un billet pour Miami, là. T'as juste à dire que t'as de la mortalité dans ta famille. Il te change rien à ce temps-là. Ben, je te tords pas le bras, là. Je te supplie, c'est pas la même chose. Je le sais, c'est évident qu'on s'est pas vu, là, mais... Ah oui, donc! Mais voyons! Ben voyons, à qui tu parlais, là? Ah, mon gars de dépanneur que j'avais quand j'étais à Montréal, il y a 8 ans. Ah, ouais, 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 tu voulais l'inviter à ton party? Ben, pourquoi pas? T'es super fin, je le voyais tous les jours. Il me disait, bonjour, ça va faire 2,50 pour le litre de lait. Moi, je disais, OK, je vais prendre une petite 6,49, puis ça crée des liens, ça. Là, lui balaye ça du revers de la main comme si ça voulait rien dire. Ah! Hey, ça prend-tu un ingrat, hein? Ah! Tu viens parler, toi, monsieur, qui laisse sa famille à Noël pour aller au party de Tony? Hey, t'as-tu vu mon carnet de cartes d'affaires des clients, toi? Hey, hey! Étiez-vous en train de parler de moi? Les oreilles m'assillent? Non, pourquoi? Ah, ça doit être parce que j'ai trop parlé au téléphone hier soir, là-bas. Ah, t'as de la misère à trouver du monde pour ton party, hein? Ben, tout. J'ai décidé d'appeler les amis de mes amis, puis comme t'es mon ami, ben... Attends une minute, toi, là. T'as rien de me dire que t'as invité mes amis? Ah ouais. Tu te rappelles-tu de Patrick Jenkins, là, puis Sylvie Wedge? Sylvie Wedge? Ouais. Les plus hot secondaires? Ben ouais, mais si tu veux voir, t'as juste à venir chez nous, ils viennent à mon party. Puis, j'ai fait une petite recherche sur Internet, là. Les anciens de ton école primaire, secondaire puis cégep, là. J'ai appelé tout le monde. Je leur ai dit que t'allais être là. Ils ont décidé de venir pareil. Ah! En passant, je t'ai emprunté ça hier. Mon carnet de cartes d'affaires de mes clients. Oh, 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 oh! Tu veux dire de mes clients? Hein? Parce que je leur ai dit que c'était trop petit chez vous pis t'avais décidé de faire ça chez nous. On est bien content. Hey, c'est pas correct, ça. C'est tricheux, ça. Oh! Hey, un instant, Frankenstein, là. Hein? Depuis quand qu'il y a des règlements quand on joue à qui fait le plus gros party? Tu vas voir, ça se passera pas demain. Excuse-moi, François, ça va se passer comment? Ça va se passer... Ça va se passer... autrement. La petite rousse va le cheval avec ses grelots. Pogne une bosse, de du monde de consommation à Marie. Julie, vas-tu m'aider demain de finir de préparer le party? Ça dépend si j'arrive à trouver ton catastrophe
ton toutou dans le mur. Catapulte, toutou. Puis-tu peux me dire c'est quoi la folie avec ce toutou-là? Il est laid que le tabarnak. Calme-toi. T'es pas obligé d'en trouver un. Je te l'ai dit, il en reste plus un seul dans toute la ville. Puis moi, je t'ai dit que j'en trouverais un. Ça coûtera ce que ça coûtera. Je vais en trouver un, quitte à le voler dans un carrosse de bébé. Veux-tu emprunter le bat de baseball à François pour aller au centre d'achat un coup parti? Bonne idée. C'est parce que je niaisais. Pas moi. Si je vois un gueule en sang toutou puis quelqu'un veut me le prendre des mains, je vais être armée pour le reprendre. Il va manger un spécial Julie dans le front. Dorian, tu peux arrêter de travailler, là. Arrête de faire tes tartes. Non, bon. Faut que je finisse mes tartes. Non. Arrête ça. Là. Non, j'ai décidé de passer Noël avec ceux que j'aime le plus au monde cette année, là. Les joueurs du Canadien viennent fêter Noël ici? Non, je veux fêter avec juste Simon, toi et moi, là, juste en famille. Fait que là, arrête ça. Oh, là, on va relaxer François, ça. François, ça me tenterait, mais c'est des tartes pour Joanne. Tartes pour Joanne. Tu travailles pour le party à Tony? Mais je rends service aux voisins. Traître. Traiteur. Au début, là, je devais l'aider avec sa dinde. Je sais pas comment est-ce qu'elle a réussi ça, mais je me suis ramassée avec toute la job. Oh! Allô, François! Oh! Dorian, est-ce que tout est prêt? Pas encore. Non, ça irait plus vite si j'avais de l'aide. Oh! Mais je peux pas! Je viens de poser mes nouveaux ongles! Non, écoute, je voulais juste te dire que la bûche, j'aimerais mieux l'avoir à la vanille plutôt qu'au chocolat. Hein? Tu fais une bûche? Ben oui! Hey, c'est-tu plate que le pâtissier de mon traiteur soit en Floride, hein? Bon, mais faut que j'y aille! Je suis en train d'auditionner des contorsionnistes. J'aurais dû faire comme Alex. Sacré mon camp pour les faire. Dois-tu être bien, lui, là? Tu peux me dire ce qui se passe? J'ai jamais parlé de mon amour compulsif pour les salles d'attente. Ah. À chaque fois que j'en vois une, c'est plus fort que moi, il faut que j'attende. Tu t'es fait prendre aux douanes? Ah oui, il paraît que j'ai l'air louche. Comment ça, louche? Je sais pas, c'est parce que je souris sur mon passeport, puis il paraît qu'on n'a pas le droit. Quoi, faut absolument avoir l'air triste de quitter le Canada? Non, sérieusement, là, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir autre chose? Mais non, j'ai pas l'intention de visiter une ferme dans les 14 prochains jours. C'est en revenant, ça, Alex. Bon, ben, tu vois, je suis super clean, je comprends pas. Moi, je viens de comprendre. Le douanier, là, c'est mon ex-possessif jaloux de fou de cave, de chum. Celui que t'as laissé la veille de tes fiançailles? Mm-hmm. Oh, shit. Go, cri-cri! Hey, joyeux Noël, Tony. Joyeux Noël! T'es le premier arrivé, t'es le premier servi. Ah, ben merci. Oh! Je vois que t'es allé me magasiner un cadeau. Ben oui. Hey, t'aurais pas dû, là. Ah non, mais c'est la moindre des choses. Non, bref, là. Il y a juste les losers qui pensent donner sans avoir rien en retour. Pas de même que tu es riche. Non, j'imagine. Ah oh, ouais, enlève ton manteau, là. Ouais, hein? Ça sera pas long. Ah! Hey, goûte à mon punch. Ben oui. Mais... Ah, ben ça se boit comme du jus, ça. Ah, ben c'est ça le but. C'est d'en boire jusqu'à ce que ça punch. Ben oui, Tony, c'est toujours bon, hein, un bon calembour. Ah, il n'y avait pas de ça, du calembour. J'ai mis de la vodka à place. Hey, Tony, si on allait au party, là? Ouais, il y a un règlement, par exemple. Pas le droit de toucher un contorsionniste. On prendra des photos. Oh! Oui. Regarde, ça, c'est sa tête. Puis, gueule en sang, toutou, j'en ai pas. Il en restait un quand je suis arrivée au magasin. Puis il y a un maudit malade mental qui s'est piché sa tablette puis qui me l'a pris des mains. T'as pas pris ton arme? J'ai bien essayé. C'est pesant à sacrifice, un bat de baseball. Oh, puis il courait vite. Mais c'est pas grave. T'en achèteras un quand Noël sera passé. Oh, c'est hors de question. Là, je suis juste venue reprendre des forces.
J'ai entendu à la radio que chez Joujou Dépôt, ils attendent un chargement de ta poche toutou. Je m'en vais là-bas. Ça, mais ça risque d'être la folie là-bas aussi. Ils vont encore te l'enlever, là. Tu sais, ils sont plus forts que toi. J'y ai pensé. C'est pour ça que cette fois-ci, j'y vais en patin. Mais t'as besoin de rouler vite, parce que la veille de Noël, ça joue dur. Ouais, mais ça aussi, j'y ai pensé. Je vais y aller équipée. Amenez-en des mitrailles, toutou! Julie, t'es en train de virer folle. Tu vas te casser la gueule, voyons donc. C'est les parents des futurs batteurs de femmes qui sont en train de devenir fous avec leur terroriste toutou. Moi, je vais casser des gueules pour en avoir un, puis moi, il montrer à Simon que la violence, ça ne mène nulle part! T'as les pupilles petites comme des têtes d'épingle. C'est signe que t'as pris de la drogue, tu dois en avoir dans tes valises. C'est surtout signe que tu y allumes une 100 watts dans les yeux. Gaël. Me laisser pour un dealer de drogue. J'aurais pensé que t'aurais pu faire mieux que ça. En te laissant à toi, c'était pas difficile de faire mieux. Pardon, t'as dit que t'avais une bombe dans tes valises, c'est ça que j'ai entendu? Non, j'ai rien dit, moi. Gaël, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ton chum n'est pas l'homme que tu penses. Alex est un dangereux criminel recherché par la GRC qui s'est évadé de prison. Son nom, c'est Roger Poffin Trépanier. Ben voyons donc, Roger Trépanier. Il mesure 6 pieds 4, pèse 335 livres. Tu vois bien que c'est pas lui. T'es tellement naïve, Gaël. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas un déguisement, ça? Comment tu veux qu'un gars de 6 pieds 4 se déguise en gars de 5 pieds 6? 5 pieds 7. Whatever. T'as aucune idée des ressources des criminels, Gaël. Il y a des chirurgiens esthétiques qui travaillent pour eux autres. Ah oui? Alors, si Trépanier est un chirurgien esthétique, comment ça se fait qu'il est de même? Ça va faire, la petite vengeance personnelle, là, hein? Ça va faire. Nous autres, on a un avion dans 90 minutes, OK? Puis là, la game est finie. J'ai le droit d'appeler un avocat. Pas de problème. T'as droit à un appel. C'est la veille de Noël. Assure-toi de faire le bon. Hey! Devine ce que j'ai trouvé! Des sacs pleins? Ah, ça, c'est des cadeaux pour Simon, mais j'ai aussi trouvé quelque chose d'autre. Le cadeau à Tony! Bon! Tu t'es décidé à y en faire un. C'est quoi? Ah, une montre! Mais voyons, il y en a des milliers de montres. Ah oui, mais pas une comme celle-là. Ça, c'est la FrigoWatch Cool Wrist. Une montre auto-réfrigérante qui garde ton petit poignet au frais. C'est tellement efficace, ça pourrait te déshydrater un tiroir à légumes au complet. Mais c'est complètement inutile. Oui, c'est cher, ça sert à rien, personne n'en a. Il va te triper, Mérite. T'as un avocat, toi? Non. Non, c'est juste que j'ai le droit d'appeler mon avocat. Je trouvais que ça faisait chic. Vas-tu appeler François? Non, je vais appeler le king des ressources. Le Bill Gates des contacts. Ouais. Tony? Oui, madame. Oui. Oh. Le roi de la fête, bonsoir. Hey, Tony! Oh, si c'est pas mon à l'extérieur préféré. Hey, je suis tellement content de te parler, Tony. Ah, je sais, je fais cet effet-là, ben du bon. Es-tu dans l'avion, là? Non, j'ai un problème, je suis pogné à douane. Ah, qu'est-ce que t'as fait encore? T'as essayé de passer deux cartoons de cigarettes au duty-free au lieu d'un? Non, c'est, le douanier me prend pour un dangereux criminel de 6 pieds et 4 là, qui vient de sortir de prison. Eh, mon Dieu, il a pris plus de punch que moi, lui. Là, Tony, il faut absolument que tu m'aides. J'ai droit juste à un appel. T'es ma seule chance. Hey, Ali, baby boy, t'as fait le bon numéro. Hey, j'ai mon cousin qui est responsable des douaniers à l'aéroport. Gars, veux-tu dire que ton gros douanier épais, là, il va se faire brosser? Parce que mon cousin, il niaise pas avec la poque. Moi, il y en a un douanier qui m'a fait tuer à un moment donné. On est parlé à mon cousin, il a payé la traite. Ah, oui? Il l'a congédié? Mais non, pire que ça, il l'a transféré à Saskatchewan. À cette heure, il fouille des vaches Holstein. Est-ce que tu peux lui téléphoner rapidement? Parce que nous autres, on a un avion qui décolle bientôt. Là. Hey, commande-toi un drink en classe affaires, là. Considère-toi comme libre. Elle l'appelle tout de suite. OK, merci, Tony. Hey, oublie-moi pas sur ton testament. Hein. Non. Hey, je vais raccrocher. Le gorille, il s'en vient. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, en général, je sors avec Gaël, mais pas toi. Arrête.
Alex, on n'est pas encore sortis d'ici, maintenant? Non, mais ça sera pas long. Non seulement tu sors pas avec Gaëlle, mais tu peux dire bye-bye à ta job. Ça, c'est-tu c'est quoi, ça? C'est-tu ce qui sonne, là? Ça, c'est ton abonnement pour le chômage, ça, mon loser de fou de cœur. Julien Demers. Hey, salut, comment ça va? Ben oui, c'est sûr. Ah, oui, mais non, mais c'est peut-être un dangereux terroriste qui va faire exploser l'avion, ça, je sais pas, moi. Oui, c'est ça. Oui. Oui, joyeux Noël à toi aussi, Tony. Oui, tu dois aller à Joanne. Tony veut te parler. Tony veut te parler. Tony? Allez, boy. C'était lui, mon contact des douaniers. Je peux rien pour toi. Joyeux Noël, pareil, là. Tu pourrais venir à notre party, Doriane. Amène Simon. Mais je pense pas que François le prendrait bien. Oh, ce serait vraiment triste que tu goûtes pas à ta dinde. Ouais. Bon, puis en plus, j'aurais jamais pu faire le party sans toi. Et avec le traiteur qui est capable de livrer juste la moitié des plats. Tu parles d'un incompétent? Ben, je crée bien. Je peux pas faire plus que 1000 sandwichs par 24 heures, madame. Hey! Achète plus de pain. Oh, le party sera pas le même si t'es pas là. T'étais une bonne amie. OK, je vais convaincre François. As-tu un argument de pouvoir me fournir? Mon Dieu, punch à volonté. Bière et aile de poulet épicée. Une contorsionniste à moitié tenue. Bingo! Bon, regarde, c'est clair que je peux pas partir, là, mais toi, ils ont rien contre toi, fait que vas-y. C'est vrai, ça te dérange pas? Mais non, mais gars, c'est la dernière chance d'une vie, là, puis on n'est toujours pas passé notre premier Noël ensemble dans une salle d'interrogatoire à la douane. C'est donc bien fin. J'aimerais ça passer Noël avec toi, Alex, mais la réserve ferme, Je sais. Non, va, Gaëlle, et ne te retourne pas. Arrête d'essayer de faire pitié, là, ça marche. Non, mais Gaëlle, pour moi, ce qui compte, là, c'est ton bonheur. Donc, c'est ta dernière chance de faire ce voyage-là. Donc, vas-y. Joyeux Noël, puis bonnes vacances. Oh, Alex, je sais que c'est grâce à toi si je peux réaliser mon rêve de visiter cette réserve-là. Puis t'es mon chum que j'aime de tout mon cœur. Je sais que t'aurais voulu me rendre heureuse à Noël. Sois sûre d'une chose. Tu vas rester avec moi? Non, je vais te ramener des photos. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que t'en penses? Ces boucles d'oreilles-là? Ou ces boucles d'oreilles-là? Sais-tu, oui. Je dis, je m'excuse, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas une des crampes au cerveau quand tu me demandes ça. J'ai pas de goût. C'est toi qui as le goût entre nous deux. La preuve, tu m'as choisi. Tu veux dire que tu m'as choisi pis t'as pas de goût? Non. Hey, tu m'en dois une pour cette vacherie-là. OK. Tout ce que tu veux. Habille-toi, ça va chez Tony. OK, oui. Hey. Non, c'est pas... c'est chiant, ça. Hey, je le savais que ça te tentait! Non, ça me tente pas tant que ça, là. C'est juste que toutes mes amies sont là-bas, là, puis toute la super bonne bouffe que t'as préparée, qui sentait super bon, ben, elle est rendue là-bas, là. Puis ça va être un super beau party. Ah! OK, vas-y, là, puis moi, je vais écrire une note à Julie. Ouais, écris-y de venir nous rejoindre à Chibougamau. Veux-tu encore un peu de punch? Ah, Tony! Est-ce que toi, là, je t'ai déjà dit que je t'aimais beaucoup? Oh, je pense que t'as pris un peu trop de punch, celui-là. Non, juste un petit peu. Non. Fini le punch pour toi. On va aller te chercher un scotch. Top! Top! Ça va. Hey, t'as de l'écume sur le bord de la bouche. Ah! Check ça. Comment tu veux que je fasse un meilleur party que ça? Si tu peux pas être meilleur que, sois avec.
avec eux. Puis pense au point positif, là. Pas de vaisselle, pas de ménage à faire demain. Ça veut-tu dire que je pourrais aller foutre le bordel dans sa cuisine? Ah, si ça peut te faire plaisir, vas-y! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, tu sais, Simon, à la maison, quand je te dis de ne rien renverser puis de rien saler, là. Ouais. Ben ici, on fait le contraire. Puis, comment vous trouvez le party? Ah, je trouve ça prétentieux. Ouais, décadent, arrogant, trop cher, trop cher. Mais j'adore ça. Oh! Oh, ça sonne! Ah, ça doit être Julie. Oh, je vais aller chercher un drink. Oh, Joe! Puis donc, joyeux Noël! T'es déguisé en sanguine? Tu l'as pas trouvé? Non! Simon va devoir se contenter d'un jeu non-violent. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis la main sur le gars qui avait pogné le dernier toutou. Je l'ai fait tomber avec mon bat de baseball, puis là, je me suis rendu compte qu'il s'était débarrassé du toutou. Tu lui as pas trop fait mal, j'espère? Eh non, presque pas. Non. Sauf que je passe en cours après les fêtes. Vite! Joyeux Noël, Julie! Bon, bon, OK, là, tout le monde a ses lèvres des cadeaux! Oh! Alors, Simon, on commence avec toi. Voici ton cadeau Noël de maman et papa. Oh! Un catapulte, Joujou! Au centre d'achat, il y a un gars qui est passé en courant. Il m'a lancé ça dans les bras. Il m'a dit qu'il y a une folle courant après. Il y a une batte de baseball. Puis voilà. C'est du synthétique, j'espère. Es-tu malade, toi? C'est de l'ours 100% poêle. J'avais-tu un pauvre ours pour faire de la guitare? Hey, les nèbres, j'ai une bardeau, là. L'ours, il a été tué par accident. Par accident? Ah oui, le chasseur lui visait un orignal, puis il a pogné l'ours. C'est trop drôle. Merci beaucoup, François. Vraiment, là, t'as bien choisi. L'émeraude, tu le sais, c'est ma pierre préférée. T'es content? Très. Hey, parce que si t'es pas sûr, j'ai gardé la facture, hein? Mais non, non, c'est parfait, je te dis. Okay. Puis toi, es-tu content? Oh, oui, là, vraiment, je suis super content, c'est super. Ah, tu m'avais dit que tu voulais une belle caméra digitale. Alors, j'en ai acheté une, pas si pire, hein? Ben oui, c'est bon, 2,1 mégapixels, c'est super. Je suis contente que ça te fasse plaisir. Oui. Mais t'as gardé la facture. Mais non, je suis contente. Bonne nuit. Hey, un instant, s'il vous plaît. Attention, tout le monde. Tout le monde, attention, s'il vous plaît. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte par moi-même pour témoigner de ma gratitude envers un être que j'ai découvert récemment et qui m'a pris sous son aile pour faire de moi son meule et peut-être même son futur successeur. Et j'ai nommé mon patron, le one and only Tony! Pour te célébrer, Tony, joyeux Noël, j'ai un cadeau pour toi. Ah, aussi, j'ai un cadeau. Non, vous n'auriez pas dû, là. Oui, ça. Ça, pour être poli, vous avez bien fait. Donne-moi ça. Hey, wow! Oh, ben! Oh, wow! Hey, wow! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, wow! Oh, ben! Aye. Oh, wow! T'es-tu content? Hey, la super monde Cool Wrist qui garde ton poignet au vrai. Aïe, là, je... T'es un genius. Ça me fait plaisir. Hey, as-tu vu ça? Hey, où mon cadeau, Frankie? Ah, il est où, lui, à la maison?
Non, va chercher, on va t'attendre. Au bureau, c'est-à-dire, j'ai oublié au bureau. Ah, c'est pas loin, vas-y, va chercher. J'ai perdu ce truc. Alex? Oui? Tu peux partir, Alex. Mais non, je peux pas partir. Mon avion est parti depuis une demi-heure. Ah, je veux dire, tu peux partir d'ici, là, t'es libre. Ah. Et je m'excuse sincèrement, j'ai abusé de mes pouvoirs à des fins personnelles alors que je n'aurais pas dû. Hein? Ok, il est rendu où, le douanier baveux de tantôt, là? Mais... Ok, c'est correct. De toute façon, je peux bien se faire manger par une meute de chiens nifleux, je m'en sac. Bien, t'es pas parti? Ben non, je peux pas te laisser ici tout seul. J'ai pris les grands moyens. Ok, c'est toi qui m'as fait libérer. Ben, disons que j'ai appelé un autre de mes ex qui est sous-ministre au ministère de l'Immigration. Mais t'aurais pas pu l'appeler avant? Et j'ai pas osé, parce que ça s'est pas très bien terminé avec lui non plus. Il est un peu possessif, jaloux, manipulateur. Coudonc, t'es collectionnes-tu, toi? Ou... Là, tu lui as dit quoi, lui? Ben, j'y ai dit que j'étais encore disponible, puis que mon cousin était pogné aux douanes. Il a fait les pressions nécessaires. Ben, c'est ça, puis là, il va continuer à te harceler? Ben, je dirais avec en temps et lieu. Là, ton beau voyage de rêve au Malawi... Ben, je me suis dit que... Je me reprendrai. Après tout, c'est juste des grosses bébites en liberté. Puis moi, je pourrais passer le temps des fêtes avec ma bébite de 5 pieds 6 préférée. 5 pieds 7. Ah. Vous pouvez y aller, là. Ah, ben oui, ben oui. Là, qu'est-ce qu'on fait, nous? Es-tu un gars de party, toi? D'après toi. Bon. Ben, joyeux Noël, Julien. Ben, Gigi. Si vous êtes pas en Afrique. Ah, ben non, c'est une longue histoire. On vous racontera ça tantôt, mais là, on a soif. Ouais, on va aller vous chercher du punch. Hey, Alex, tu vas voir, il est super bon, le punch. Hey, Alex, je suis content de te voir. Hey. Tu vas voir, c'est un méchant beau party. Ah oui, c'est quelqu'un qui a vomi dans la meuse. Pas encore, mais Christophe est sur le bord, là. Ah, pardon, de quoi vous parlez, là? Moi, c'est vrai que c'est un très beau party. Et moi, j'aimerais porter mon toast. Et moi, j'aimerais vous inviter toute la gang la semaine prochaine pour mon gros party du jour de l'an! Oh. Non, 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 non! La semaine prochaine, le party du jour de l'an, ça se passe chez Tony! Oh. Bric, fier partenaire du 450 Chemin du Golfe. Bric, l'imbattable. Enfin une alternative. Le cinéma des fêtes présente dans un moment les trois visiteurs de Noël.